Bonjour, bonjour à tous. Voilà, un petit maillage technique, grand matin. Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir, comme il retrouve à autres, chaque matin, là, sur Télécréole, sur les réseaux sociaux, pour un petit direct, là, depuis Saint-Pierre, pour causer un petit peu sur l'actualité, notre pays. Et m'y tiens à remercier les autres, hein, vous êtes toujours nombreux et nombreuses derrière là-bas, regarde à nous chaque matin. Et merci aussi pour vous autres, bonne l'encouragement. On va parler de ce qui se passe là avec les évacuations sanitaires. Ils commencent pour La Réunion, pour les patients pour aller du côté de la métropole, du côté de la France. Hein, donc on y revient un petit coup là, sur le mot métropole. Hein, métropole. On dit souvent métropole parce que, après, nous, on dit métropole. Métropole, c'est les grandes villes. Alors, donc, par exemple, c'est Nice, c'est une métropole. Donc, voilà. Donc, et ça va du côté de la France. Là-bas, la compagnie Air Austral a été mobilisée pour prendre en charge ces bandes d'évacuation sanitaire entre La Réunion et la France, là-bas. Le premier vol est programmé aujourd'hui, c'est-à-dire à soir. Hein, quatre patients, quatre moun va sera transporté jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Air Austral qui a été équipé son bon avion là pour pouvoir aller faire ces évacuations sanitaires, hein, qui coûtent assez cher quand même, et qui coûte aussi, il fait aussi, il faut que Banaï aussi il fait que l'avion l'est adapté pour ça, et donc il revient assez cher quand même. 15 personnes sera composées de ces affaires là pour emmener ces personnes-là, hein. On aura des personnels de santé, secouristes de santé, tout ça là. On aura aussi 800 kilos environ de matériel médical, hein. Voilà, c'est l'arrivée sur l'île, hein, et pour équiper tout ça et pour repartir avec normalement. On a entendu parler bon peu là des restrictions du couvre-feu qui commence à partir de 18h, c'est-à-dire demain. Alors, c'est des renforcements là, encore plus durs encore, hein, pour les gens qui travaillent, tout ça là. Et La Réunion, la pensée que vous n'aurez passé à côté de ce couvre-feu, voilà. Donc, le préfet Jacques Billon l'a annoncé ça mardi, hein, voilà, il avance ce couvre-feu-là, parce que les cas, les de 104 pour 100 000 habitants, en gros, hein, pas toutes les communes n'ont de Covid à fond, hein, sauf n'ont moins 7 communes, 7 ou 8 communes, et elle est empestée avec ça. Donc par rapport à ça aussi, voilà, le couvre-feu a été mis en place, et puis aussi par rapport aussi les bornes, l'hôpital, les commencent à être saturés. Hein, il dit pas nous trop, il dit nous bon, il reste 20%, 30%, 5% de lits, mais en fait dans la réalité, quand on nous regarde bien de manière causée, montre à nous qu'il manque quand même de lits, là, il va manquer de lits bientôt. Donc c'est pour ça les évacuations sanitaires, les EVASAN, les prévus. Et ces EVASAN-là, apparemment, les assez compliqués, hein, pour les patients qui s'en vont là-bas, hein, les Réunionnais qui s'en vont dans ces avions-là, parce que 10 heures de vol, sans compter la préparation, on tire azote dans l'hôpital, amène azote sur le tarmac, installe azote en dedans, et arriver à Charles de Gaulle, Paris, là-bas, il faut refaire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut refaire le truc à l'envers, retransporte azote. Et Nabon Peu dit que bon, il y a certains, ils risquent pas chaper le mail et peut-être descendre la vie dans ces affaires-là. Voilà, nous avait parlé de la STLA, du ce couvre-feu qui est à partir de 18h, et nous m'avait écouté dans le journal un Bouglabac, là, c'est grand, il fait partie des grands supermarchés. Donc je t'y annonce qu'à 17h20, par exemple, va dire aux clients d'aller à la caisse. 18h45, ils ferment les caisses. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. En 15 minutes qui reste pour 18h, mais pense que peut-être je t'y revois un petit peu ce système. En 15 minutes, mais pense pas que les gens n'aura le temps de rentrer chez eux. Et peut-être aussi la loi, elle est un petit peu malicieuse ces derniers temps-là. Hein, donc il veille à Zot comme de l'essuie de feu. Il a besoin un peu d'argent. Ben, si tu veux aller au commerce et sortir à 7h moins le quart, à 6h moins le quart dedans, crois-moi, je t'arrive de case à 6h30, je serai encore dans le chemin. Et là, c'est à ce moment-là, mais je ne comprends pas trop le système. Hein. Bon, par contre, les magasins, certains magasins vont ouvrir à 7h30. Ben, il faut faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre. Ben, on n'a pas là avec la population. Hein, donc,
Voilà un petit peu les affaires, hein, comment ça se passait. Ben après, nous connaissons bien que l'argent, il sort là le 6 du mois. Hein, donc, le 6 du mois, ben, de Moun, ça fait autre course. La CAF, tout ça, il sort. Beaucoup de choses, ils sortent. Et il fait que, bon, ben, le Moun, il court vite dans les magasins. Et est-ce que je s'agis à ça? Parce que si je te dis, oh, à 5h20, si dis, les gens passent à aller, le magasin, ça ferme à 6h. Bon, ben, quand il dit couvre-feu à 6h, magasin ferme 6h, d'ailleurs. L'aller est un petit peu compliqué. Hein. Bon, bah, c'est à revoir un petit peu. Peut-être le préfet doit rouvrir son canette, garder un coup là-dessus aussi, comment il se passe. Hein. Nous va pas. M'a fait un petit rappel de l'ordre, là, que ça il est là. Que l'a été dit dernièrement. Hein. Les sorties de déplacement, les interdits entre 18h et 5h du matin. Il est bien écrit, hein, donc 18h et 5h du matin. Alors, s'il y a 18h05, vous avez pas le chemin, elle n'est pas trop grave, mais 18h10, 18h15, peut-être là, va faire un petit rappel à l'ordre, et plus tard, dans 2 jours après, il va dire, ah bon, ça ne t'écoute pas, alors, bon, là, il va taxer à 135 euros. Bien réfléchir à ces affaires-là, hein, entre 18h et 5h du matin, c'est sur tout le département de La Réunion, sauf en cas de dérogation. Alors, les restaurants, on va pouvoir maintenir cette activité, hein, et des livraisons à domicile jusqu'à 22h. Donc là, il faudra encore des dérogations pour aller livrer ça. Est-ce que c'est les employés qui livrent? Ou c'est les restaurateurs même qui s'est livré, parce que l'employé, lui, est censé de rentrer son case à partir de 6 heures. Il y a aussi des dérogations permanentes, hein, qui pourraient être faites, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Hein. Par exemple, pour les forces de l'ordre, services de secours, dépanneurs d'urgence, tout ça, et déplacements professionnels pour certains salariés. Alors, on a des déplacements scolaires pour accompagner les enfants qui ça va depuis l'école, hein. Chauffeurs, livreurs de nourriture, carburant, fret alimentaire, hein, des dérogations pour autres, hein. Et puis, on a aussi des dérogations temporaires, c'est-à-dire dérogations pas pour tout le temps, mais juste pour un petit moment, quoi. Donc, alors pour les déplacements entre domicile, lieu d'exercice professionnel, si ça va travailler ou bien sinon ça, ou ça, si ça fait une formation, ben, entre votre case et la formation, ben oui, si la formation commence à 7h, 7h30, et vous habitez dans un endroit, il faut prendre le bus, tout ça là, donc ça y pose un problème, bon, ben, il donne une petite dérogation pour rentrer votre case, hein. Et pour aller à votre case, hein, faut aller sur le site de la préfecture. Là-bas, ben, on a mis en place un papier, une petite application là que je télécharge de téléphone pour pouvoir bénéficier de tout ça. On a aussi le déplacement pour les consultations et soins qui peut pas être assuré à distance. Hein. Si vous êtes malade, on a des soins à faire, tout ça là. Bon, on a des dérogations à ça. Et aussi, hein, pour si on a des produits de santé, les vraiment importants dans les affaires, au dernier moment, il est possible de faire cette dérogation. N'inquiète pas, ben, là, ça a vérifié, hein, ça a contrôlé, si on n'est pas dans les affaires, c'est 135 euros. Hein. Avant, la loi était un petit peu laxisme, maintenant, ben, là, il taxe à vous vraiment, machin, et en plus, avec ce Covid-19-là, ben, il arrange pas la situation, ben, là, il devient mauvaise humeur, des fois, de temps en temps. Déplacement pour motif familial impérieux, l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires pour la garde des enfants, convocation pour la justice ou l'administration, ça, on a des dérogations temporaires à l'effet aussi. Déplacement pour répondre à une convocation sur la justice, sur le convoqué tribunal, tout ça là, ben, ou peut, ben, ou faire une dérogation, ça va, hein, ou dans un système administratif, je sais pas moi si la mairie convoque à vous parce qu'elle est obligée, machin, ou je sais pas moi, dans la maison de justice, une affaire. Ça, on a des dérogations spéciales qu'il doit faire. Déplacement pour participer à des missions d'intérêt général. Alors, si, par exemple, je sais pas moi, ou la fait une bêtise, par exemple, à Donao, au lieu de la prison, Donao, des travaux d'intérêt général, par exemple. Hein, en gros, elle a plusieurs choses, hein, donc, midi ça comme ça là. Ça, on a des dérogations, il bah, faut bien aller nettoyer un peu le tribunal, nettoyer un peu les endroits où on s'envoyait au travail, hein, donc faut nettoyer un peu les espaces publics, tout ça. Ça, on a des dérogations. Déplacements par rapport au transit, des déplacements longue distance ici, je ne pense pas qu'il va, machin, longue distance, c'est quoi ici, La Réunion, entre Saint-Pierre et Saint-Denis, à 80 km en gros, hein, pas dire des bêtises, donc on a des dérogations. Alors, mais il rappelle à d'autres que ces bonnes attestations-là, elles sont disponibles sur le site internet de la préfecture et sur l'application Tous Anti-Covid. Tous Anti-Covid, d'abord, on peut le monétiser, je ne sais pas pourquoi.
Après, tu peux être aussi trouver ça sur papier libre, daté, signé. Et puis, il m'y croit bien que dans les commissariats de police ou sinon ça, à la mairie, tout ça, là, tu peux aller trapper, hein, parce que maintenant, il y a de 6 heures point téléphone, et là, nous, on n'a pas un téléphone encore comme elle a. Donc, tu peux trapper ça. Et ou sinon ça, dans les commissariats de police, on a un peu les cools, les sympas, sur Saint-Pierre, il connaît que maintenant, il donne les attestations, ben, là, il fait photocopie, il donne. Donc, c'est une chose. Que ben, elle est intéressante. Il sonne dessus, au bout de loin bas, il dit monsieur, on a besoin d'attestation, on a point l'argent, moi les pauvres, moi les malheureux, donc voilà, il donne à une attestation, il dit voilà, ben, il donne peut-être deux, trois aussi, hein. Bon, ben, là, elle est assez intéressante. Et il dit aussi que si les autres respectent ça, respectent pas ça, il dit aux autres, là-dedans, c'est une amende de 135 euros, il peut aller jusqu'à 3 750 euros. Maintenant, il aime les chiffres, les gros chiffres, là, 3 750 euros, en cas où tel des dieux, de coco les dieux, ou l'a pas, ben, on respecte pas, donc voilà. Et après, on peut dire que vous l'avez oublié, mais il paraît qu'il marche plus trop, histoire d'oublier, là, parce que maintenant, il est habitué. Alors, on a aussi renforcement dans les hôtels, là, les protocoles dans les hôtels, hein, donc avec la période des vacances scolaires qui arrive, les bannes de protocole là-bas, les bannes règles, tout ça là, les renforcer, hein, port du masque obligatoire pour le ban client et ban personnel. Quand on regarde dans les hôtels, la plupart du temps, côté bannes hôtels, ils passent là, peut-être en dedans, ils portent le masque, mais dehors, là, bon, on peut tendre les autres coucounes côté la porte, ben là, ben, ils respectent pas non plus. Hein. Et après, est-ce que ce ben, fumer cigarette aussi, il apporte pas le Covid aussi parce qu'il paraît que c'est volatile, très très volatile, ça aura ça ou sous ça, machin là, le vent y emporte, machin. Covid, il m'aura pas là à fumer, il m'aura pas. Après, nous avons aussi la mise en place d'une jauge de 8 mètres carrés par personne dans les espaces communs, des lieux, dans tous les lieux, que ce soit dans des endroits sportifs, tout ça là, et avec un affichage obligatoire. Alors, les 8 mètres carrés, ça, c'est à voir et à revoir parce que moi, jamais vu vraiment respecté, hein. Dernièrement, dans le marché forain, ben, dans l'essai, il fait respect ça, ben, là, il gagne taxe de 3 forains, 2, 3 mounes, 2 amendes, 8 mètres carrés. Si tu réfléchis, c'est comme si que c'est au milieu d'une petite chambre, hein, donc, faut la personne à 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, hein, donc, il est assez compliqué pour respecter tout ça. Prévention de la constitution de groupes plus de 6 personnes dans l'antenne. Par exemple, je sais pas moi, si ça va, on a plus de 6 personnes pour les bas de carré, fait petit machin, petit sorti, tout ça. Tout ça, les restreint. Hein, et puis, nous, on a aussi, là-bas, dans ces restaurants, nous, on a, ben, là, l'appliquer des lois, vraiment, c'est dur quand même. Hein, entre 18 et 22 heures, uniquement les clients de l'hôtel va pouvoir aller manger. Donc, sinon, ça, après, les pas. Après, il y a des bêmes, après, hein, donc les machins. Après, il y a des mesures, mais ça paraît peut-être des mesures que les déjà en vigueur, port du masque pour les personnes âgées de 11 ans et plus qui déplacent à pied sur la voie publique. Hein. Il ne parle pas des marmailles d'école, que les obligés, les petits marmailles, de porter les masques. Distanciation, bah, pareil même, hein, de mettre entre deux personnes en cas d'absence du port du masque. Hein, voilà, donc ça a un tas qu'on nous a fait, hein, à dire là-dessus. Nous va aller. Un petit peu plus loin, puisque les 6 h 13 minutes, hein, m'invite à aller regarder cet article-là, sur le site de la préfecture de La Réunion, et je dois pouvoir bien apprécier le ban de causement, il dit. Hein, donc. Nous allons du côté de Mayotte, mercredi, c'est-à-dire hier, une journée que l'avait point de mort. D'habitude, ben, il annonce le mort, mais La Réunion aussi. Pourquoi il annonce le mort, là, non? Ben, il fait une fois par semaine, il annonce le mort. Hein, apparemment, ben, il remplace ben, affaires d'essai, là. Comment dire ça? Ben de Moon, ben, il présente DC, hein, vous connaissez, tous les matins à 9 h, chez un certain radio, Nénal, le matin à 6 h 15, à DC, ben là, il fait ça à peu près, donc tous les jours, toutes les semaines, ben c'est maintenant il annonce DC Covid, l'autre annonce DC. Bon, on va fermer la parenthèse sur les décès. Bon, il choque un petit peu les gens avec ces histoires-là. Bon, peu de monde, il ment avec le Covid-19. Alors, ben, il dit à nous aussi que, ben, du côté de Mayotte, apparemment, elle a ralenti la propagation du virus dans l'île du 22-28 février. 1374 cas de Covid a été recensé. Le taux d'incidence est de 491 personnes pour 100 000 moons, hein, donc il est assez dur quand même. Il veut dire, oh, il est vraiment covidé à 100%, 99,9%. Ben, hein. Alors, les hospitalisations pour l'hôpital, tout ça, là, ben, il est encore il est assez élevé. Plus de 148 personnes les pris dans l'hôpital, 23 les en réanimation, et ben, les autres campagnes de vaccination.
Il continue. Et du côté de Mayotte, Mayotte, je fais un petit point sur vaccination. Ici, la Réunion, il maille un peu. Il dit à nous de temps en temps qu'on bien on était vacciné, mais encore, je n'ai pas trop au top dans notre ban renseignement. 7634 personnes ont été vaccinées là-bas. 1234, là, 1200, 1372 a reçu notre deuxième dose. Nous avons parlé ça hier. Projet de téléphérique là-bas. La pétition est en ligne pour sauver Grand Bassin. Ben, là, compris, hein, parce que j'ai fait un téléphérique là-bas. Ben, ce sera comme une ville dans le fond grand bassin, il faut qu'on aura pu apprécier les affaires. Et puis ici, où ça dans le fond grand bassin, en règle générale, c'est pour avoir le calme, c'est pour pas avoir trop de touristes. Non, mais après, si ben, aéro, le téléphérique, le monde va bouillir tous les. Ben, aéro de la fraîcheur dans le dimanche là-bas, le pauvre téléphérique va souffrir, hein, un peu comme Saint-Leu. Saint-Leu pas vu le jouer au téléphérique. Hein. En fait, c'est simplement des projets que Ben Naï fait. Hein, donc, bon. Nuna aussi du côté de Maïdo, fin des travaux là-bas du conseil, le conseil départemental. Hein, il y a donc le piton Maïdo, les accessibles au public. Ben, là, il veut dire au dimanche, tout le monde ça courir, ça grimper là-bas. Là. Donc voilà, l'embouteillage encore est prévu sur le côté. Après, ben, les usagers là va crier. Hein, quand la pointe, ben, a écrit parce que dit, ben, la pointe personne vient voir nous, la situation avance pas, l'argent rentre plus dans notre porte-monnaie. Et quand ben, il vient, allez, paf, de Monigard n'importe comment, ils jettent la saleté, fait n'importe quoi. Et voilà, voilà un petit peu comment nous l'est ici à Réunion. Deuxième site les plus visités de la Réunion avec plus de 250 000 touristes par an. Donc, divise 250 000 par 10, ça compte pas 2 mois. Donc, il fait quand même un paquet, il monte en là-bas par semaine. Hein. Sera à nouveau ouvert hein, donc à compter du 5 mars, c'est-à-dire le lendemain du. À partir du 5 mars. Donc, les travaux d'aménagement l'avaient obligé le département et ben, les propriétaires des lieux là, de fermer ça pendant 2 mois. Voilà, en gros. Le belvédère est ouvert de l'autre côté là-bas. Et puis, ici, nous parlent de Covid, nous plaignent à nous beaucoup de pas mal de choses. Nous, la Réunion, comme la France, hein, nous nous plaignent à autres, pas mal de choses. Nous entendons sur les radios comment le monde un peu veut confiner, un peu pas confiner, un peu veut ici, un peu là-bas. Il y en a même les plus intelligents que le médecin. Donc, les plus intelligents que le CSE. Donc, vous êtes connus, il faut faire comme ci, comme ça. Mais nous, en fin de compte, nous ne fait pas rien. Hein, donc, un peu comme la chanson de Jean Gabin, hein, faudrait écouter ça, le morceau, il s'appelle Je sais. Mais en fin de compte, à la fin, il ne connaît pas même. Les forces de l'ordre, là-bas, du côté de la Birmanie, là-bas, je rappelle à Zot le coup d'État qui a été fait. Là, personne n'en parle pas trop, soit dans les actualités internationales. Ben, là, il parle, mais elle est assez grave quand même, hein, parce qu'une journée répression, ben, elle tire à balles réelles là-bas. Au moins 7-8 manifestants pro-démocrates, elle a été tuée, blessée mercredi, c'était hier. En Birmanie, hein, ben, elle tire avec des balles réelles, un petit peu comme certains pays. Comme la Chine ou d'autres pays hein, qui tirent directement dans la foule, hein, ben, ne garde pas, ou bien fait manifestation, donc ils taxent ça, ou donc voilà. Dans ces histoires-là, ben, il y en a trois femmes, trois bougues et une femme a été tuée du coup, hein, pour ça, là, dans l'état de la ville de Moniwa. Bon, ben, assez grave quand même. Des fois, nous, on parle pas trop. Hein. Nous parle beaucoup de Covid ici, la Réunion, des cas, Nena, tout l'a augmenté. Nous parle pas des pays comme l'Afrique, comme l'Inde, tout ça là, comme la Birmanie, là, vient de parler, et des autres pays pauvres, des pays en voie de développement. Nena, des systèmes classés. Ben, assez compliqué, donc il faudrait peut-être un jour nous rouvrir un peu plus l'actualité sur ce monde-là, parce qu'on essaye de faire ça à partir de lundi. On essaye de parler un petit peu plus de l'international. Voilà, nous parler aussi des cyberattaques avec le Covid. Alors, le Covid, cyberattaque, ben, ils demandent à Zot de protéger à Zot. Ben, oui, les pirates, les gens malveillants, ben, ça a toujours existé. Dans la vie de tous les jours, nous l'entourer de ça. Donc, sur Internet, nous, on a ça, les cyberattaques, c'est des personnes, c'est des sociétés, ou c'est des jeunes, ou c'est des gens qui profitent de la fragilité de certaines personnes pour envoyer des faux mails de vaccination, pour demander les gens notre carte de crédit, pour faire passer toutes sortes de qualités d'informations, des fausses informations sur le Covid dans les boîtes de mail. Et des fois, il y a un remboursement, il faut mettre toute carte bancaire dans le numéro de carte bancaire dans le boîte de mail. Et des fois, il y a des gens qui tombent toujours dans le panneau.
Et ils mettent votre machin, et ils taxent votre compte, et ils dévident votre compte. Donc, on a pas mal de choses. Hein. On a des fraudes à la CAF, on a des fraudes à la Sécurité sociale, on a des fraudes dans les banques, on a des fraudes cyberattaques. Hein. Maintenant, on voit Yahoo, et quand on regarde, elle est exactement quasiment comme Outbank, hein, la plupart du temps. Si on ne regarde pas bien en tête l'adresse email de la banque, hein, parce que des fois, on voit, je sais pas moi, banque monsieur Intel, @, je sais pas moi, banque.fr, ou .com, ben des fois dans l'adresse email, on a une petite faute, peut-être un petit S en plus, un petit A en plus, un petit machin en plus, et donc ou tombe dans le panneau, ou rentre le numéro, et on est pris dans la coljac, comme il dit. Faire attention aux cyberattaques et faire attention aussi quand vous installez des applications sur votre téléphone, tout ça là. Parce que quand vous installez une application et quand vous rentrez sur un site, il demande à votre nom, votre prénom, votre âge, où ça vous habite, votre carte bancaire pour activer telle ou telle chose. Alors, faites très attention, il faut bien regarder où ça vous met le pied. Alors, on va passer aussi là avec le contrôle technique. Eh oui, le contrôle technique. Le contrôle technique obligatoire pour les motards, pour les motos deux roues et trois roues. Donc, il vient pour ça. Hein. Alors, vous allez être épargné là pour le contrôle technique. Bientôt, ben voilà, une nouvelle taxe qui arrive pour ça, hein, pour l'État. Contrôle technique avec les machines à deux, trois roues, avec les concernés par ces mesures-là. Le Parlement européen, ensemble la Commission des transports et de tourisme, l'a adopté le 25 février. Hein, ouais, vous êtes un bon peu, nous, t'es pas trop courant. 25 février, un dernier projet de résolution enfin, pour rendre possible le contrôle technique des deux et trois roues. Donc, il permet aussi de responsabiliser certains qui roulent avec des carcasses sur la route. Voilà, un petit peu de l'argent en plus, des taxes en plus. Hein, ils trouvent toujours des taxes. Hein. Nous, on a les radars, les contrôles techniques, les voitures qui coûtent de plus en plus cher. Bientôt, nous, on ne gagnera plus trop rouler. Voilà. Et nous, on va passer du côté de Air Mauritius, qui a saisi 30 millions de roupies d'héroïne dans un avion cargo. C'était dans les poubelles, tout ça là. Hein. C'est une affaire qui a été dans la presse là-bas. Voilà, c'est par la Custom Anti-Narcotique Section de la Mauritius. Alors, 2,8 kilos d'héroïne, hein, estimé à 30 millions de roupies pour ça. Nous va passer sur la montée des eaux. Ah, et oui, ben, nous parle pas mal de choses. La montée des eaux avec le réchauffement climatique. 300 millions de personnes seront concernées d'ici 2050. Hausse de 3 mètres par siècle de l'eau. Hein. Pas tout le monde est sur Saint-Gilles, Saint-Pierre, tout ça, range de cases sur le bon chemin. Crois moins 3 mètres, cimetière Saint-Pierre, par exemple, sera recouvert d'eau. Hein. Donc voilà, en gros. Nous ferme la parenthèse sur les actualités. Nous vient avec Cosmant La Réunion. Quand on gagne pas de défendre ou non, on gagne pas de défendre l'âme, la mer bat. Ben oui, quand la mer il bat, on gagne pas de défendre. C'est quand un mon œil jure, il bat la langue, il aime causer trop. Donc on gagne pas de défendre son langue bat. Hein, donc c'est son propriété. La mer, on gagne pas de défendre l'âme, la mer bat. Hein, la mer il vient, il s'en va. Ben, si vous ça essaye faire ça, ben soit vous rentrez l'hôpital psychiatrique, un hein, entre les deux. Hein, voilà. Beau temps à La Réunion ce matin, sauf l'après-midi, n'aura la pluie les prévues un petit peu là-bas. Hein. Donc sur Mayotte, nous n'est les pluies prévues dans l'après-midi, le temps sera un peu maf. Donc pour La Réunion, avec par place, n'aura deux trois farines, la pluie va tomber. Il dit à nous. Hein. Après, quand on nous regarde vraiment les affaires, ben elle est pas pareille. Hein. Donc et puis si la météo elle est pas mal aimantée, pas mal terre, comme il dit tout le temps. Hein. Donc moi, bien non, ça c'est ce que moi là, gagné comme bulletin météo. Mayotte, le matin sera couvert, l'après-midi on aura la pluie le temps par là-bas sera plutôt couvert par place là-bas. Donc dans l'après-midi du côté de Mayotte. L'île Maurice, beau temps, ensemble nuages toute la journée, les prévus dans l'après-midi de la pluie, VA, Cure-pipe. Salut, nous allons. Mauricien là-bas qui écoute à nous, Rodriguez, Chéchélois, tout ça, il est connecté sur Télécréole, que ce soit là ou sinon ça, dans la journée, sur la page du réseau social Facebook de Télécréole. Rodrigue, beau temps toute la journée avec un déniage, les prévus, hein, voilà, du côté là-bas, les Seychelles, la pluie les prévues le matin comme l'après-midi. Voilà, donc ce causait la réunion là, l'a fini. M'y remercie à toutes d'avoir suivi ça. Nous donnons notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, Bolagba, on y retrouve.